BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On va répondre à cette première question d'Aurélien, un de nos téléspectateurs, à propos des transferts de contrats d'assurance vie et des conditions adossées au transfert. Aujourd'hui, Aurélien reçoit le relevé de situation d'un contrat vie de la CNP, le contrat GMO 98, et il est surpris parce qu'il y a une notice qui lui rappelle la loi Pacte. Alors il est agréablement surpris et qu'il informe qu'il a la possibilité de transférer son contrat sur un autre contrat CNP, Cachemire 2, avec le maintien de l'antériorité fiscale. Très bien. Il est ravi, mais pour que ce transfert puisse avoir lieu, il y a une condition qui semble là, pour le coup, désagréablement le surprendre. La condition, c'est d'investir au moins 15% en unité de compte. Est-ce qu'on a le droit, Jean-François, pour transférer son assurance vie d'un contrat à l'autre, d'imposer d'investir au moins 15% en unité de compte ? Alors, comme on a un peu de temps, on va faire plusieurs réponses à Aurélien. Premièrement, vous l'avez très justement dit, il est surpris, mais entre guillemets, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, c'est le témoignage que la Banque Postale et l'assureur du contrat, en l'occurrence la CNP, ont parfaitement respecté la loi, puisque effectivement, d'après la loi Pacte, il est désormais obligatoire, dans le cadre du relevé annuel, d'informer le client sur cette possibilité de transfert. Alors, on revient deux secondes quand même sur cette possibilité de transfert. Vous savez, j'avais beaucoup bataillé sur le plateau d'Intégral Placement à l'occasion de la loi Pacte. Pourquoi ? Parce que la loi Pacte, elle avait notamment prévu plein de choses sur la transférabilité de l'épargne retraite, avec notamment le nouveau plan d'épargne retraite, le PER. Et à cette époque-là, on était quelques-uns à avoir plaidé pour la transférabilité des contrats d'assurance vie sans perte d'antériorité fiscale en changeant d'assureur. Alors, le législateur nous avait partiellement, je vais dire, entendu, dans la mesure où il n'avait pas souhaité permettre un transfert d'un assureur à un autre, mais il avait dit que, grosso modo, on craignait un risque, entre guillemets, systémique, avec d'affaiblir un certain nombre d'assureurs en sortant du fonds euro pour aller vers un autre assureur. Et donc, il avait dit, on va autoriser la transférabilité au sein d'une même compagnie. Alors, nous, on s'était dit que c'était déjà un premier pas et on y voyait un certain nombre d'avantages, et notamment le fait que l'on arrête dans une compagnie de bien traiter certains assurés et de maltraiter d'autres épargnants. Et alors, on va être honnête, si on prend le cas de la Banque Postale, et si on regarde l'offre assurantielle en assurance vie de la Banque Postale, on va être honnête, ce n'est pas les meilleurs de la place. Pourquoi ? Parce que si je regarde aujourd'hui le contrat haut de gamme de la Banque Postale, du réseau Banque Postale, c'est Cachemire Patrimoine, qui affiche un taux moyen de participation au bénéfice de 1,30%, et 1,30%, c'est moins que la moyenne. Deuxième remarque qu'on peut faire à la Banque Postale, c'est que la Banque Postale a une sale manie qui est de traiter de manière différente ses anciens et ses vieux souscripteurs. Et Aurélien, il nous dit qu'il a un contrat GMO. À votre avis, Guillaume, le contrat GMO, il rapporte combien ? Je n'en ai fichtre aucune idée, Jean-François. Eh bien, le meilleur est à 1,30 et oui. Le contrat GMO, qui a donc bientôt désormais plus de 20 ans, d'après ce que nous dit Aurélien, lui, il rapporte 0,88%. Allez. Alors, premièrement, on apprécie peu la pratique de la Banque Postale sur ces sujets-là. On l'a déjà dit, ça a été déjà démontré dans un certain nombre d'enquêtes. Je pense notamment à l'enquête de la CLCV. On peut le redire à nous. Maintenant, la loi permet un transfert. Est-ce que la loi impose des conditions sur le transfert ? La réponse aujourd'hui, c'est non. Autrement dit, la loi ne dit pas que l'on doit passer d'un ancien contrat à un nouveau contrat. Unité de compte. Donc, vous pourriez me dire, mais dans ce cas-là, c'est donc que la Banque Postale et la CNP ne respectent pas la loi. Oui, parce que la loi n'impose pas, en effet, d'imposer des conditions. Enfin, n'impose pas des conditions, tout simplement. En revanche, elle peut autoriser l'établissement à imposer des conditions. Alors, non, la loi, elle n'impose rien. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un texte sur l'amendement Fourgousse qui imposait 20% d'unité de compte. En fait, ce texte-là, il était tombé parce que l'administration avait fait bouger sa position, en particulier en raison de l'évolution du mode des prélèvements sociaux. Donc la loi dit simplement qu'il y a transfert d'un contrat d'assurance vie vers un autre contrat d'assurance vie, il n'y a pas de perte de l'antériorité fiscale. La loi ne dit que ça. En pratique, toutefois, le transfert, il se passe comment ? Eh bien, très souvent, le transfert, il se passe par l'ouverture d'un nouveau contrat qui va être alimenté avec de l'argent d'un contrat précédent. Et ce que fait la Banque Postale ? C'est que la Banque Postale dit, moi je n'accepte d'ouvrir un nouveau contrat, c'est d'avoir 15% d'unité de compte. Et ça,
la Banque postale a tout à fait le droit de le faire. D'accord. Donc, là-dessus, malheureusement, Aurélien, il ne peut pas dire « vous ne respectez pas la loi, donc je ne veux pas l'application de ces 15% pour faire mon transfert ». Là, on va être un peu honnête, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est allé à cette transférabilité, on nous a dit « on ne veut pas déséquilibrer les compagnies d'assurance en retirant massivement de l'argent d'une compagnie pour aller vers une autre compagnie ». Mais si Aurélien, il a 100% sur le fonds en euros sur son contrat GMO et qu'il a envie de mettre 100% sur le fonds en euros sur le contrat Cachemire 2, où est-ce qu'il va déséquilibrer le bilan de la CNP ? Nulle part. L'argent, il est à la CNP, il reste à la CNP. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Donc, je trouve très sincèrement que le procédé n'est pas très élégant et que le procédé est d'autant moins élégant que la pratique de base de la Banque postale n'est pas élégante en maltraitant les anciens au profit des nouveaux. Et vous savez, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on ait un débat. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet sur les pertes d'exploitation. Il y a un grand débat aujourd'hui dans le monde de l'assurance puisqu'il y a plein de gens qui avaient des activités économiques et qui avaient souscrit des contrats pertes d'exploitation et le monde de l'assurance leur a répondu que finalement, c'était pas applicable. Hier soir, la CPR a annoncé qu'elle diligentait une enquête pour savoir si véritablement les assureurs respectaient ou pas leurs contrats. Eh bien, moi, je pense que sur le sujet de l'attribution aux bénéfices, le régulateur serait bien avisé de faire la même chose, parce que les écarts de performance que l'on a et l'exemple typique que l'on a aujourd'hui, c'est sur la Banque postale. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit justifié d'un point de vue contractuel.